T'inquiète, je sais ce que je fais, gros. T'inquiète. Ok. T'es posé sur le live Vanoué. Ouais. Tu sais toujours pas où t'as mis les pieds. Mmh. Mais tu sais déjà que tu vas kiffer. Yeah. Même s'il a un peu détraqué. Ok. Tu te demandes c'est qui j'ai mis. Ouais. Bien sûr, c'est moi, c'est Speedy. Mmh. J'ai bien sûr un talent inné. Yeah. Tu hésites carrément à te branler. Mmh. Les mots d'ordre sont sûrs. Ok. Parce que j'ai baisé l'os. Ok. Je suis désolé pour ce couplet. Mmh. T'avais qu'à pas me charrier. Yeah. Je vais pas tarder à m'éclipser. Mmh. Je vais même te demander de t'abonner. Ok. Un YouTube Insta en description. Mmh. Reviens nous nettoyer le fion. Okay. Les vocales sont intenses. Yeah. Je sais déjà que tu vas finir en transe. Yeah. Bref, sur ce, moi je vais te laisser. Mm-hmm. N'hésite pas à aller tresser la poignée. Yeah. Tout ce que je chante est compliqué. Mm-hmm. Tu arriverais même pas mal vers la moitié. Ouais. Faut atteindre les 8 minutes mm-hmm. pour pouvoir payer la hutte. Mm-hmm. Je te dis, je vois pas ici, merde. Ouais. Hier, j'ai mangé ta grand-mère. Brrr. Ouais. Ok. Ouais, t'inquiète, je sais ce que je fais, gros. T'inquiète. Ok. T'es posé sur le live Vanoué. Ouais. Tu sais toujours pas où t'as mis les pieds. Mmh. Mais tu sais déjà que tu vas kiffer. Yeah. Même s'il a un peu détraqué. Ok. Tu te demandes c'est qui j'ai mis. Ouais. Bien sûr c'est moi, c'est Speedy. Mmh. J'ai bien sûr un talent inné. Yeah. Tu hésites carrément à te branler. Mmh. Les mots d'ordre sont sûrs. Ok. Parce que j'ai baisé l'os. Ok. Je suis désolé pour ce couplet. Mmh. T'avais qu'à pas me charrier. Yeah. Je vais pas tarder à m'éclipser. Mmh. Je vais même te demander de t'abonner. Ok. Un YouTube Insta en description. Mmh. Reviens nous nettoyer le fion. Okay. Les vocales sont intenses. Yeah. Je sais déjà que tu vas finir en transe. Yeah. Bref, sur ce, moi je vais te laisser. Mm-hmm. N'hésite pas à aller tresser la poignée. Yeah. Tout ce que je chante est compliqué. Mm-hmm. Tu arriverais même pas mal vers la moitié. Ouais. Faut atteindre les 8 minutes mm-hmm. pour pouvoir payer la hutte. Mm-hmm. Je te dis, je vois pas ici, merde. Ouais. Hier, j'ai mangé ta grand-mère. Brrr. Ouais. Ok. Ouais, t'inquiète, je sais ce que je fais, gros. T'inquiète. Ok. T'es posé sur le live Vanoué. Ouais. Tu sais toujours pas où t'as mis les pieds. Mmh. Mais tu sais déjà que tu vas kiffer. Yeah. Même s'il a un peu détraqué. Ok. Tu te demandes c'est qui j'ai mis. Ouais. Bien sûr c'est moi, c'est Speedy. Mmh. J'ai bien sûr un talent inné. Yeah. Tu hésites carrément à te branler. Mmh. Les mots d'ordre sont... Ouais l'équipe, attention. Voilà. Donc là, on voit que la coupe de cheveux commence à progresser. De jour en jour, la barbe aussi, on s'en bat complètement les couilles. On est en vacances finalement, on s'en branle les frères. Comment ça va? J'espère qu'il y en a un qui va être couvre-chef parce que ce n'est plus possible hein, finalement. Et je vais aller prendre une douche ce soir et laver cette merde parce que ça commence à être dégueulasse. Par contre, la barbe qui pousse, je sais pas, on tente, on sait pas. D'habitude on se rase, mais là on tente. Aujourd'hui c'est un petit jeu d'horreur comme ça fait longtemps en vrai. C'est alors c'est quoi le jeu déjà? C'est April 24, ce qui est sorti le 24 avril, donc le développeur s'est pas fait chier. Et c'est le même dev, si vous vous souvenez du jeu, qui va d'ailleurs sortir bientôt en vidéo YouTube, September 7, si vous vous souvenez. Tac, donc c'est le même développeur, je crois, donc le jeu il était vraiment flippant, donc là ça a intérêt à être stylé. Tac, juste avant je fais ça, hop. Alors bien sûr, on s'excuse toujours, hein, mais à force d'être habitué de ma non-consistance en termes de live. Mais voilà, hein, on s'habitue à force à la merde. Du coup, c'est parti, on va commencer. Tu sais quoi, le jeu est déjà lancé, bim bam boum, hop. Alors ouais, la coupe de cheveux. Ah oui, d'ailleurs, j'ai compris pourquoi la cam buguait en fait. C'est parce qu'en fait, je filmais en 4K. En fait, mon téléphone, vous voyez, c'est un téléphone qui filme bien, tu vois. Et en fait, j'étais en 4K. Et du coup, c'est pour ça, en fait, qu'en fait, ça laguait et tout, que c'était en retard. Parce qu'en fait, je filme en 4K. Et j'avais jamais remarqué, en fait. Et du coup, là, je suis passé en 1080p. Et bizarrement, ça va beaucoup mieux depuis. Du coup, le jeu veut pas s'afficher. Hein. Ça, c'est quelque chose qui m'agace un peu. Alors, déjà, on va mettre le son, si possible. Et c'est un jeu qui est assez court, je crois. Donc si jamais on le finit bientôt, on pourra faire une petite run de Buckshot, hein, finalement, c'est la tradition maintenant. Buckshot, ça va devenir le nouveau 60 secondes, hein, c'est-à-dire que on n'arrête pas de jouer dessus. Ah tiens, il faudrait que j'attends. Je reviens les gars, je vais chercher mon autre téléphone pour utiliser Google Lens, parce que en fait le jeu il est en anglais, et en fait Google Lens c'est bien pour les jeux qui sont en anglais. Du coup je reviens les frères. Raté.
fait, je crois que le plan va être compromis parce que je crois que le téléphone n'a plus de batterie vu qu'il était éteint. Et généralement, s'il est éteint, c'est que il a plus de batterie parce que je l'éteins jamais. Hein. J'appuie jamais sur le bouton longtemps pour qu'il soit éteint. Alors, on va voir. Ce sera la surprise, hein. Surprise du chef, j'ai envie de te dire. Tac. Et puis sinon, on va utiliser mon anglais LV1 qui pue la merde. Et puis ça va bien se dérouler. Alors, est-ce qu'il est allumé? Ça, c'est le mystère. Alors, il s'est allumé, mais il a 1% de batterie. Du coup, ouais, il a plus de batterie, en gros. Juste pour vérifier, il a bien combien de pourcents de batterie? Voilà, 1%. Bon, du coup, ça sert à rien. Hop, on remet la cam et on est parti. Donc, c'est un jeu qui est assez flippant. Donc, on espère qu'on ne va pas totalement crever. On va mettre en anglais, bien sûr. Chargement, c'est le mec qui traduit tout, il a pas compris. Donc le 24 avril finalement, parce que le jeu est sorti le 24 avril. On peut sélectionner les niveaux, settings, on va mettre vidéo settings, on va mettre tout à fond, résolution. Wesh, putain, même le menu il fait flipper. On peut mettre en 4K. Full screen, oui. V-Sync, non. Et max FPS, on va mettre 144. Gamma, on va laisser comme ça. Render quality 100%. Appliqué. Ah ouais, mais du coup, ouais, forcément, ça vous le met comme ça. Donc on va mettre en 1900, enfin en 1080. Wesh, pourquoi je peux pas modifier? Ah, c'est bon. Attendez, juste j'applique. Comment j'applique? Ok, on est dans la merde. On s'est mis dans la merde tout seul finalement. En fait, je ne peux pas appliquer. Si on met comme ça... Attendez, j'ai Alt F4. J'ai Alt F4 parce qu'en fait, comme un con, j'ai mis en 4K. Alors que en fait, j'ai pas un écran 4K, du coup, ça l'a mis en énorme. Et je suis vraiment une merde. Du coup, attends. Tac. Ah merde, il est pas installé, si. Si, c'est bon, il est là. Exécute. Ok, anglais. Ok, c'est bon, ça s'est remis normalement. Ah ouais, ça, il l'a mis en tout petit. Ok, ça, c'est cool. Du coup, on va le mettre en 1920 par... Ah, donc 1920 par 1080, ça n'existe pas, genre? On va mettre appliqué. En fait, le jeu, il est... c'est bizarre comment il est. Attends. Attends, résolution, elle met à fond. Voilà. Full screen, on va mettre non. Voilà, appliqué. Voilà. C'est trop grand. Ah si, il est là. Putain, je suis une merde. Tac. Ok, c'est bon. Ok, donc on a mis déjà 1000 ans à mettre le bon truc. Donc c'est pratique. Du coup, on peut remettre en full screen, du coup. Tac. Ok, c'est parti. Du coup, on va faire un new game directement. Le lobby est oppressant, en fait. Ça te saute à la gueule. Chapitre 1. The Wicked, c'est pas... Je sais pas, je crois que c'est pas genre tordu ou un truc comme ça. Alors. Ok, donc bien sûr, c'est clavier anglais. Donc il est 20h47, les frères. On doit faire quoi? Ouais, donc c'est exactement le même. Regardez, c'est le même briquet et tout. Ok, ok. On doit faire quoi? Donc on est dans une cave avec une télé. Donc déjà, qu'est-ce qu'on fout dans une cave, hein? Déjà, il y a quoi dans la cave? Pas grand chose apparemment, donc on va partir d'ici. On peut pas trop sortir apparemment. Qu'est-ce que c'est, ce bruit là? Ah, la caméra elle est... Ah non, c'est bon, attends. Non, elle est un peu décalée quand même, attendez, juste tant qu'on y est. C'est bon en fait là, non? Ouais, c'est bon, on va dire.
Décalé de 0,5 secondes. Parce que vous avez l'habitude hein, que ce soit décalé avec moi. Alors, tac. Du coup. Qu'est-ce qu'on doit faire en fait? Attends, la caméra elle est de travers. Je ne comprends pas. Il faut trouver un objet. Là-dedans? Non, non. C'est quoi ça? J'aime pas ça. Hein. Le ballon. Ok, nice. Oh, la position de faiblesse. On doit faire quoi en fait? Attends, mais pourquoi? Attends, pourquoi dès le début du jeu il y a un jumpscare? Je comprends pas. Wesh. Il va nous niquer lui. Elle n'aurait pas dû finir ça dans ton lit. Wesh. Elle mérite d'être punie. Quoi? Attends, faire quoi dans son lit? Attends. Ouh. Cher Ben, tu vis dans ton sous-sol depuis des mois maintenant et tu n'en es pas sorti. Tu es devenu fou et tu nous entraînes avec toi. Les enfants et moi ne comprenons pas qu'est-ce qu'il se passe avec toi. Tu deviens agressive et tu prends et tu verses toute ta colère sur nous. Alice est malade et c'est dur pour elle de vivre dans un environnement comme ça. Et Jacob est trop jeune, est toujours trop jeune. Et moi, je ne veux pas le... Ah, ok, bah je vais niquer ma race finalement. Chapitre 2, 24 avril 91. D'accord, ok. Donc on a pris la H. Que doit-on faire finalement? Oh, fils de pute. Frère D'accord. Open la puerta madre. D'accord. Donc la fameuse maison des jeux d'horreur hein, qui est à genre à chaque fois tu sais c'est pas accueillant. Il y a aucune maison qui est accueillante. En vrai ce serait marrant de voir un jeu d'horreur qui se passe de jour, tu vois. Parce que là, tout le temps, ça se passe de nuit. Ok, c'est bien, il nous indique le trajet. Si c'était... Fais-le! Mais fais-le quoi? J'entends un truc respirer. C'est peut-être Alice parce que ça a éternué. Ça se quoi là-bas? La porte s'est ouverte. D'accord. Ah, c'est peut-être par là. Je sais pas du tout où est-ce qu'il faut aller, hein. Poteau! Il se passe quoi là? Attends, c'est... attends, il y avait une meuf qui était en train de ken. Ah ok, en fait c'est notre meuf qui nous a trompé alors qu'on a des gosses, je pense. Mon nom est Sean Miller. J'étais en train... I am conducting a journalistique. J'étais en train de faire une investigation journalistique. Ouais, cool, ok, d'accord. Chapitre 3, l'observeur. Y'a pas eu de chapitre 2? Alors j'ai pas vu passer. D'accord. Alors où est-ce qu'on est? Ah, ok, il filmait. Donc il a regardé la tape que le tueur a fait, ok. Donc je pense que, ouais, en fait, je pense que notre meuf nous a trompé. Et du coup, bah, on l'a buté, elle et le gars, je pense.
On peut sortir ou je comprends pas trop. Pas trop sortir. Faut trouver peut-être une clé, je suis débile. Peut-être trouver une clé, hein. Là, il y a des notes. Ah, c'est une clé, ça, non? Non, c'est un crayon. On n'a pas de briquet, on n'a rien. On a absolument rien. On peut s'accroupir, peut-être. Ah, attends, peut-être là. J'entends un bruit de parquet, donc en vrai, peut-être la porte va s'ouvrir d'elle-même. Parce que là, je vois vraiment pas qu'est-ce qu'on pourrait prendre pour sortir. Ça s'est ouvert peut-être, non? Non, vraiment pas. Je comprends pas, là. Je suis un peu perdu. Parce que pour moi, il faut sortir par là, mais c'est fermé. Ah, attends. Le 24 avril, un meurtre brutal a pris place dans la maison en banlieue de la ville. Un homme a tué toute sa famille avec une hache, ouais, donc c'est bien ce qu'on avait vu. L'accusé a lui-même appelé la police et a été arrêté à l'endroit. L'homme certifie et dit qu'il a été influencé par un homme avec un chapeau et ça l'a forcé à commettre ce crime. La police n'a pas rajouté de commentaires supplémentaires. Nous investiguons sur le développement de l'affaire. D'accord, super. Donc là, on va pouvoir sortir. Toujours pas, hein. Toujours pas. Peut-être qu'il y a un autre truc dans un autre tiroir. Oh, c'est quoi? Ah. Partie de moi. D'accord, donc il va falloir regarder le truc. Piece of shit. Piece of shit. Pourquoi je fais ça? Donc là, on va se TP dans la télé, du coup, je pense. Pour jouer le mec. Ok. Chapitre 4, partie de moi. Ok, donc on est devant la porte. On attache avec une croix. Ok, on ouvre la porte. D'accord, donc il a verrouillé la porte en 2 secondes, c'est cool. Il y a un sale matou, il y a une croix. Je dois regarder pour un couteau. Ah mais il était pas là lui! C'est peut-être notre fille qui est malade, non? Ah, il y a un marteau là. Ah, couteau. Quoi, quoi, quoi? Et tu sais quoi maintenant dans ces jeux comme ça, tu sais, je prends plus le temps de réfléchir à ce qui est en train de se passer. Juste j'agis pour vite passer à autre chose en fait. C'est ce qu'il faut faire, je pense. Donc là, on va ouvrir la porte, il y a un mec qui va nous sauter dessus, voilà, juste ici ou juste là, je sais pas, peu importe. Alors, peut-être alors le mec avec le chapeau qui va nous indiquer de monter. Wesh, il fait quoi lui? Apparemment, il se met très très bien. Ah, ok, donc là, la croix de Jésus. Non, c'est pas ça. Ah, c'est 2 jours après. Donc pourquoi le mec serait revenu 2 jours après? Peut-être qu'il a appelé. On peut pas bouger ça? Ah, si, voilà. Ah, fils de pute! Il est malade, frère, à rigoler comme un connard comme ça. Enlève cette chaise. Ok. Là, derrière, on va se prendre un jumpscare. Oh, ah, c'est quoi cette merde, là? Putain! Ouais, je suis vraiment... Oh! Je suis vraiment nul, frère! D'habitude, ça fait pas peur. Pied de biche. Ok, basique, jusque-là. Bon, screamer, là, à la porte. Vas-y. Voilà.
Ensuite, du coup. Là, pied de biche pour enlever ça. Non, c'est vraiment pas ça. Ah, peut-être rebouger ce meuble pour aller là, non? Ah bah non! En bas, la porte en bas. La porte en bas qui était verrouillée. La croix s'est retournée, nice. C'est peut-être le fantôme de notre femme qu'on a tué, du coup elle va nous hanter à vie et le mec va appeler pour se faire arrêter parce qu'il n'en peut plus de vivre cette situation. Ce que je comprends amplement finalement. Elle a remis des planches, nice. Je pense qu'on va directement aller là-bas. Ça? Ah, elle est là. Vas-y, saute-nous dessus. Clé. Donc là, je sais très bien où est-ce qu'il faut aller. Screamer dans les marches ou quelque part, tu vois, forcément. C'était où la porte avec la clé? C'était là. Bah. Pas ça? Apparemment, c'est pas ça. Pour moi, la clé, c'était ici, mais bon, apparemment, c'est pas là. Du coup, on va revenir en arrière. Bah, du coup, ça peut être où? Je bloque, les frères. Peut-être là, juste. Ouais, c'est complètement con. Ok. Ah, c'est les mêmes bruits que les portes qui s'ouvrent dans Phasmo. En vrai, les devs, je crois, ils devraient faire leur propre sound design pour leur jeu. Oh, ah ouais. Wesh, quoi. Donc là, elle a fermé la porte. Ah non! Ah oui, ça a carrément disparu, ok. Le mec a mis sa femme dans un cercueil direct. Le mec est assez vénère, finalement. Hein? D'accord, donc on ne peut point sortir, même par là. Ah, par pied de biche! Donc la meuf est encore en vie à l'intérieur, elle va surgir sans qu'on s'y attende. Il a retourné les photos. Peut-être prendre une poêle pour se défendre. Pour se défendre du corps de notre femme qui va nous sauter. Ah. D'accord, donc ça... D'accord, donc là c'est revenu, super. Et donc là, ici, Screamer. Ah putain, je suis nul, il faut pas que je tourne la tête, ça c'était en 2019 que je tournais la tête sur les jeux d'horreur, maintenant tu vois j'assume. Ok, du coup ça a appelé, ça a raccroché, ça c'est quoi? Je suis censé capter ce qu'il y a là? Attends, juste je vais revoir. Donc c'est sur une étagère, un mur en brique, et il a entouré genre des cordes, marteaux et clous. D'accord. Donc là, retirons cette chaise maudite. Nous ne pouvons pas, let's go. Peut-être là. Non, donc c'est clairement là. Jumpscare ? D'accord, donc elle a dit je te regarde. Pas mal du tout. D'accord, donc là, je pense que elle, c'est notre femme, du coup. Ah, là. Attends, c'est une étagère. I'm watching you. Ben là, il n'y a rien. Excuse-moi, madame. Je peux pas. Mais. Ah, là. Qu'est-ce qu'elle fait? D'accord. Et je dois faire quoi avec la corde, etc. Genre je comprends. Je crois savoir ce qu'il va faire. Il va mettre fin à sa vie de ses propres moyens. Voilà, pour rester friendly. Mais je dois faire quoi en fait? Je comprends pas. Je comprends maintenant ce que je dois faire. Putain, en fait, je m'attendais pas, parce qu'en fait, je me suis approché d'elle, elle a pas bougé. Quoi? La porte s'est fermée, bien évidemment.
Je dois faire ça où? Ah mais non, parce qu'il a appelé la police, du coup il sait pas Ah, peut-être enlever la chaise pour une fois. Non, je sais pas, je dois faire quoi là. On a une corde et des marteaux. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une corde et des marteaux? J'ai pas l'impression qu'on puisse faire grand chose, hein. Y'a ça, ok. Accroche la corde aux portes. Ok. Ça m'a pas fait peur, ça. Donc là, le cadavre de madame. Ah, faut que j'accroche à l'autre porte. Bon, là, elle va ressurgir, du coup, vas-y. Fais la deuxième fois, non? Ferme et cloue le cercueil. Besoin de trouver une croix pour le coffre. D'accord, donc là il faut aller ici. Normalement la croix est là au fond. Nice. Elle y est plus. Y avait pas une croix quelque part, je me souviens plus. Un truc là. Donc c'est dans une étagère, il y a un livre rouge qu'il faut tirer. D'accord, donc une étagère. Où est-ce qu'il y avait une étagère avec des bouquins? On peut pas retirer ce... Ah bah non, parce que c'est l'endroit où il y a le cercueil, on a mis une corde de toute façon, donc bon. C'est pas vraiment malin de faire ça. C'est pas en bas. C'est où? Bon, au fond du couloir, vas-y Screamer, vas-y. Envoie. Étagère avec des livres. Mais, ah, ok, le livre rouge ici. Ça fait quoi? Oh, j'ai même pas vu. J'ai même pas vu le jumpscare. Oh la chance. Ça m'a quand même fait peur, mais j'ai même pas vu. Donc c'est ici. Si elle nous a fait peur ici, c'est que forcément c'est ici. Ça a déverrouillé un endroit, mais ça a déverrouillé quoi? Ah, le coffre, bah oui. Donc là, il y a une croix. Putain, j'ai même pas vu le jumpscare, ça m'aurait encu... Oh, il est là, lui. D'accord, il bouge tout seul, pourquoi pas, c'est un concept. Donc la radio qui bouge tout seul. On met la croix sur le cercueil. Tu vas mourir. Oh, mais tout fait peur dans ce jeu. Oh, y'a plus. Ah, le réveil. Ah, c'était un rêve. Ok, c'était un rêve, je pense. Chapitre 5, la touche du diable. Ok, donc là, le gars se réveille de cet endroit maudit. Ah, bah cool, ça a été verrouillé. Et une croix est à l'envers. Et y'a plus la chaise. Alors, je pense que là, il va falloir trouver un pied de biche. J'ai besoin de verrouiller la porte avec une chaise. Chaise, là. Ok. Tu fais quoi, toi? Cassette. Preuve de mort. Prouve ses preuves, je me souviens plus. Proof of death. C'est quoi proof of death? Je crois que ça veut dire preuve de mort, mais... Je suis pas sûr. Attendez, chapitre 6. Attendez, juste deux secondes. Tac, juste vérifier un truc. Tac, ok. Attends, il y a des pièces à conviction. Attends, je pense qu'il faut retenir. Ouais, donc ça c'est voilà, donc ça c'est le mec, c'est le mec et sa femme qui étaient en train de ken dans son lit. Donc du coup le gars a le seum, il les a butés. Alors attends, 1, 2, le 3 il était là, 3. Y a pas de 4 là-dedans. Ah, 4, 5. 6, ok, je pense que c'est l'ordre des événements du coup.
C'est-à-dire que le gars en premier, il a tué le gars. Ensuite, il a... je sais pas ce qu'il a fait, là, il a mis du sang. Ensuite, paf, il a tué la meuf, je pense. Il y a un truc là, attends, je peux pas le prendre, non. Ensuite, il s'est barré, ok, d'accord. Je peux pas ouvrir la porte. Faut prendre les trucs dans l'ordre, non? Je comprends pas. Tiroir. Tiroir. Sécurité. Ah, il y a un truc là, donc il faut trouver une pince, je pense. Ah, attends, 7 là, j'avais pas vu. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, tac. Du coup, on va pouvoir déverrouiller cette porte. Hop. Ok, il y a le bébé qui est pas... Ah, putain. Le bébé, que fait-il? Est-ce qu'il y a encore des preuves, genre 8, 9, etc. Ah, donc on revient là. On revient à cette porte verrouillée. On est à l'étage. On peut pas aller là. Ah, on peut peut-être aller ici. Là, on va pouvoir cutter ça avec... avec la pince, non? Je ne peux pas ouvrir cette porte. Ah, je peux ouvrir cette porte avec bolt cutter. Avec une, un coupeur de chaîne, ouais. Pas de soucis, mec, mais... Où il y en a un? I need a key. Je donne une clé. Ok, 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 ok. Là, pourquoi le mec verrouille sa propre maison? Genre, enfin, c'est bizarre. On dirait pas un peu la maison genre de Nine Child Street, genre là c'est l'endroit où on s'est fait jumpscarer. Donc là je pense que c'est l'entrée de la baraque. I need to find a pathway. Ouais je gronde, on doit trouver 20 trucs, oh. Et là on doit trouver un code. Ah, il y a des trucs sur les murs, attends. Ça, on peut le verrouiller ou pas? Non. Attends, attends, il y a des trucs. Donc 3C. Regardez sur les murs. 3C. Je vois rien d'autre. Donc on a un 3C. Retenez, retenez. Donc 3C. Ok. Ah, les chuchotements. Mais frère, pourquoi il y a des bruits alors qu'il n'y a rien? Donc 3C. 3C, ok, pourquoi pas. On peut retourner là? On peut pas retourner là. Mais je suis bloqué là du coup. Parce qu'il me faut une clé, j'ai pas de clé. Il me faut un truc pour couper les chaînes, j'ai pas de truc pour couper les chaînes. Je pense que j'en ai loupé un truc en bas. Donc 3C. Ah! Non, c'est pas du tout ça. On peut pas ouvrir cette porte de con. Peut-être au plafond, attends, non? Plafond, y'a rien. Là. Y'a le coffre qu'on ne peut pas ouvrir. Mais attends, il faut faire quoi? Je comprends pas, là, du coup. Parce que là, là, on fait tous les endroits depuis tout à l'heure. Le seul truc qu'on a trouvé, c'est 3C ici. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Il y a une plante. Au plafond, il n'y a rien. Je pense que c'est en haut. Parce que vraiment, en bas, il n'y a rien. En bas, ça peut pas être en bas. C'est impossible. Je pense que je loupe un truc en haut, du coup. Cette porte-là, on peut l'ouvrir ou pas? On peut pas l'ouvrir. Ça, il nous faut la clé. Ça, on peut pas rentrer. Ah, attends, peut-être qu'il y a un truc là. Dans les coins, là. Les coins de con. Non, on peut pas ouvrir les tiroirs. Il y a une lampe, il n'y a pas d'autres nombres. Ah, 3B. Ok. 3B. Donc je pense que du coup le code c'est 3-3. Donc il y a, on sait pas, 3-3 et on sait pas en quatrième. Il faut trouver le A et le D du coup. Bah dans ce cas-là, bonne chance. Ah, c'est bien caché, en fait. Non, je me suis dit peut-être sur l'autre face du pilier, ça aurait été un peu simple, mais... Ah, peut-être à travers la vitre, là, on peut voir un truc.
Ah. 5D. Ok. Donc ça nous fait 3, 3, 5. Là, peut-être qu'on trouvera... Ah, fils de... Ok, 4A. Donc c'est 4, 3, 3, 5. 4, 3, 3, 5. Le code. Donc... 4, 3, 3, 5. Yes. Donc là, ça a ouvert le coffre. Suite à cela. Cher Ben, je ne peux pas vivre comme ça plus. Je demande le divorce et je vends la maison. Mes tourments commencent à devenir insupportables et j'ai besoin de liberté. S'il te plaît, donne-moi une opportunité de commencer un nouveau chapitre de ma vie. Charge sincèrement Evelyn ou quoi. Donc elle demandait le divorce, ok. Et peut-être que lui voulait pas. C'est de chien. Y'a rien là, enculé. Donne-nous la clé là. C'est lui le gros porc qui a tué sa femme. Je pense que c'est possiblement lui en vrai. En même temps, vu sa gueule, je comprends que... Sa femme a voulu commencer un nouveau chapitre de sa vie. Hein. Ouais, regarde, il a la hache, donc c'est lui. Wesh! Ah, la transition de baiser! Donc là, on va pouvoir déverrouiller ça. Non, c'est pas ça, attends. Je comprends pas. On peut pas ouvrir. Ah, si, du coup, on a la clé. L'attaque. Là, ici, il y avait le pied de biche. Ah non. Merde, quoi. Je peux pas me repérer. Hein. Mais ici, on dirait trop la maison de Nine Child Street, vous trouvez pas? Genre, c'est la même configuration, un peu. Là, c'est une chambre. Ouais. Il y a une fenêtre au fond. Ouais. Mais ouais, c'est la chambre de Nine Child Street. En fait, c'est la maison de Nine Child Street, en fait. Hein? Ils ont pris la même maison, ces bâtards. Ah ouais, aucun effort. Mais attends, c'est la chambre de qui ça? De sa fille? Ou de sa femme? Alors attends, je pense qu'il faut compter comme tout à l'heure. Donc un ici. Un ici. Deux, il est où? Deux. Y a pas de deux, hein. Pourquoi la musique commence à devenir stressante là? On est trop lent? Ah, il y a quelque chose derrière cette porte, j'ai juste besoin de l'ouvrir avec ça. Ah, d'accord, donc il faut trouver quelque chose pour l'ouvrir. Et elle est comment la porte? Okay, donc il faut le pied de biche. Donc le pied de biche, il était, je sais pas où, attends, au fond là-bas, du coup il y a une porte. Ouais, ok, c'est la maison de Nine Child Street, ok, d'accord. Ah, on peut passer en dessous? Non. Ah, le fils de chien! Y a pas une hache ou un truc ici? Non. Putain! Des pilules, ok, donc le mec était certainement malade. Malade mental. Tac. Cette porte là, on l'a pas ouvert, on peut pas l'ouvrir, donc on back. On back. On a du temps ou pas? Parce que je vois, il y a quand même le temps qui défile et ça me fait un peu peur. La musique commence à devenir de plus en plus stressante, t'es. On peut pas redescendre ici. Il y a toujours le mec là qui prie avec son petit garçon. On peut pas ouvrir. Il y a un pied de biche là, mais en fait, comment t'y accèdes? Parce que ça, on peut pas l'ouvrir. Donc c'est forcément en haut, je pense qu'on a loupé un truc dans cette zone là. Oh, ah, au plafond, il y a un truc là, il y a une trappe. Pas ouvrir. Un livre rouge peut-être? Pour rouvrir un passage, peut-être de ce côté-là, non, de ce côté-là non plus. De ce côté-là, rien. Je suis nul ou quoi? Je suis vraiment nul, je pense. Ah, il y a un papier là. Je pense que ça doit être ici, hein. Derrière la porte? Non. Il y a rien.
Bah ça doit être là-dedans. Ah! Alors, cher journal, maman et papa se sont battus encore aujourd'hui. Burden, I could help. Burden, c'est quoi? Je pourrais les aider avec le petit Jacob. Il a besoin de beaucoup d'attention et... Je leur donne beaucoup de problèmes. Ça me fait tellement mal de les voir... souffrir à cause de moi et Jacob. Si je n'avais jamais été là, mes parents, ça aurait été beaucoup mieux. Ils n'auraient pas à s'inquiéter de ma santé. Je me sens tellement inutile et innécessaire, enfin et pas nécessaire. Et j'aimerais... Quoi ? Et j'aimerais être leur meilleure fille pour eux. J'aimerais être une meilleure fille pour eux. Alice, ok, donc ça c'est la fille qui était malade. Donc ça c'est Alice, donc c'est la fille qui était vraiment malade. Ah, il l'a décapité en plus. Ouais, elle avait plein de pilules. Ah, attends, sous le bed. Sous le bed, il y a un truc. Ah, c'est la tête de la fille. Ah, ok, putain, je vais te capter. 5. Ok. Je pense que dans cette chambre-là, il doit y avoir un cutter ou un truc, c'est obligé. Là, peut-être, non. Il doit y avoir une pince pour... Ah, putain. Ok, donc là, je vais pouvoir ouvrir plusieurs portes. Donc, pas celle-là. Donc là, jumpscare, voilà, super. Ensuite... je vais pouvoir ouvrir la porte qu'il y a au fond, là-haut. Ainsi accéder au pied de biche et ainsi accéder à la chambre de Alice. Donc là, jumpscare quand je vais le ramasser, certainement. Ok, je regarde même pas au fond. Hein. Je sais pas ce qu'il y a, mais je regarde même pas. Donc là, le comeback. Par contre, c'est sûr que tu puisses pas courir. Le comeback dans la chambre de Alice qui est juste là. Ah, fils de chien! Comme dans Night Child Street. Si elle retourne sa tête... Mais c'est Night Child Street, le jeu, en fait. Ah, fils de chien! Mais ils ont fait le même truc que sur Night... Ou alors c'est Night Child Street qui a fait... Bah non, parce que c'est sorti avant Night Child Street. Putain, les gros copieurs. J'en peux plus. D'accord, donc la meuf rigole, hein. C'est marrant. Hein. On a une hache, donc qu'est-ce qu'on va faire avec la hache? Aucune idée, donc là elle va nous sauter dessus, certainement. Donc il y a une porte qui a été ouverte et une autre qui a été fermée. Ah! Putain! Ah ok. Et donc là... Chapitre 7, il n'y a pas de chemin pour sortir. Ok, d'accord. Une cassette ici. Il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de... il n'y a pas d'issue. À toi de faire le film. Donc là, je vais devoir sortir, c'est ça. Peut-être que le mec, en regardant la cassette, il est devenu complètement fou. Ah, ok. Pied de biche. Donc le bébé derrière a bougé, on l'a entendu, ce bâtard. Wesh. D'accord, j'aime bien la blague. D'accord, donc là, plus on va ouvrir, plus il va y avoir un mec derrière, c'est ça. Ok, et donc là, c'est quoi? Super. Fais-le, donc là, re-jumpscare. Wesh, quoi? Ah!
Je dois faire quoi? Je dois faire quoi? Je dois faire quoi avec ce petit... Attends, en dessous. Je dois le porter? Ah! Il se passe quoi? Il se passe quoi? Attends que tu tombes là, je comprends pas. Comment ça va, Noémie? Hein? Finis ton film. Mets-toi sur la chaise. On n'a pas le choix, genre. On va écrire un mot, un petit mot pour les intimes. C'est super. J'ai complété les investigations, mais malheureusement, je ne suis pas en mesure de les publier. Cette maison est une source de folie et elle m'a consumé. J'ai voulu trouver la vérité, mais à la place, j'ai trouvé la mort. C'est tout à propos de l'homme et du chapeau. Il oppresse ses victimes et leur fait faire de terribles choses. Je ne peux pas lui résister. Show Miller. Et donc... Personne. Le changement d'ambiance. En vrai, c'était vraiment bien. Comment ça va, Yana? Inoxtag, tu me manques à la terre entière. Mon coucou-bébou, les montagnes chasses ne t'arrêtera pas. J'espère que... Ouais. J'espère que Ace ne te manque pas. Pas trop, Michou, il est sûr, il doit pleurer. Le 24 avril, en vrai, c'était vachement bien. Bon, on voit qu'il a utilisé la maison de... Ouais, donc le mec est dans le cercueil avec le petit gamin. Oh, j'ai failli vomir, un peu de vomi dans la bouche, j'ai eu. Hein? C'est pas fini? Putain, les bâtards, ils m'ont eu à la fin. C'est la fin? Ok! En vrai, c'était pas mal. Ah, on pouvait choisir français, non. Ah non. En vrai, c'était pas mal. C'était... Les screamers fonctionnaient, en vrai. Exit game, du coup. Tac. En vrai, c'était pas mal. J'ai bien aimé. C'était vraiment pas mal. Il y avait un truc... il y avait un petit délire... C'était... En fait, c'était le parfait mélange, si vous voulez. C'était le parfait mélange de Nine Shall Street et de September 7. Qui vont d'ailleurs sortir en vidéo YouTube incessamment sous peu. Hein. Préparez-vous, ça arrive. Je vais essayer. C'est quoi ce soir? Je vais bosser, j'ai pas trop joué, j'ai essayé full bosser le montage en vrai. Ça pourrait nous être utile pour sortir la vidéo d'ailleurs, hein, parce que ça fait longtemps. Mais en ce moment, je suis pas productif, ça m'énerve. Vous arrivez à la fin, oui, en effet, Iliana et Noémie. Je sais pas si Lola était sur live. Est-ce que t'étais sur live, Lola? Si oui, mets un message. Et du coup, bah en vrai, le jeu il était vraiment sympa. Mais du coup, en fait, à un moment, j'ai vraiment reconnu la maison de Nine Shall Street. Hein. J'ai vraiment reconnu. Et il y avait le même système du tu marches. Il y avait une poupée qui te regarde comme ça, genre dans le coin. Du coup, t'as peur, tu continues. Et là, t'entends sa tête qui se tourne. Je vous jure que c'est exactement pareil dans Nine Shall Street. C'est exactement le même système. Du coup, bon, on peut pas dire que... Oui, ma coupe de cheveux est merdique, hein. J'allais me doucher après pour remettre tout ça dans le droit chemin. Mais moi, je trouvais ça vraiment super super stylé. Tes cheveux, ils sont grands. Ouais, t'as vu, Yana, ils sont grands, mes cheveux. C'est quoi cette remarque? C'est pas, c'est drôle un peu. Du coup, merci d'avoir regardé.
Tu les lis, ils sont longs. Ah oui, oui, si je les lis, il m'arrive, je pense, à là, hein, au terme de yeux. Là, ils arrivent à là en terme de longueur et tout. Hein. Et non, mais j'ai pas les lycées, frère, je suis pas malade mental. Du coup, ouais, le jeu était vachement bien. Donc, bon, c'est un petit jeu, il a duré 40 minutes, tu vois, enfin 50 environ. Il était vraiment pas mal. Les énigmes étaient... Ça, tu vois, c'est les jeux que j'aime bien. C'est qu'en fait, les énigmes sont pas trop dures, mais sont pas trop simples non plus, tu vois. C'est pas juste tu te bats dans une maison, t'arrives à un endroit, jumpscare, t'arrives à un endroit, jumpscare. Il y a quand même des énigmes. Et ça, c'est... C'est vraiment stylé. Genre, j'ai beaucoup aimé. Du coup, bah, à refaire. J'aime beaucoup ce développeur qui fait genre... Ah, il faudrait qu'on fasse Summer 77 ou un truc comme ça. C'est apparemment, c'est un de ses meilleurs jeux qu'il a fait. Du coup, c'est vraiment pas mal. Live Brawl Star. Non, je suis pas sûr de ça. Vraiment. Regarde, il y en a ce que je viens de faire, là. T'as vu ou pas mes cheveux? En fait, ils sont à mémoire de forme, genre, tu peux les mettre comme tu veux. Regarde, si je veux, je peux faire ça. Je peux genre qu'ils aillent tous vers l'avant comme ça. Ah non, ça ne marche pas. Hein. Mais ouais, du coup, je vais les remettre dans le droit chemin, hein, parce que là, c'est plus possible. Regarde les pis de Zinzin, là. Tu vois? Genre, c'est n'importe quoi. Bref. Du coup, ouais, non, pas Live Brawl Star. Hein. Pas Live Brawl Star du tout. En vrai, je sais pas, comme vous voulez. On peut s'arrêter là, on peut... Je sais pas. D'ailleurs, je suis en train de rejouer à Ark en ce moment, je sais pas si vous avez vu. Je suis en train de rejouer à Ark avec Alexis. On fait une survie Ark à deux. Et en vrai, c'est vraiment sympa. Bon, du coup, on n'a pas live, hein, mais... on n'a pas live dessus parce qu'on y joue vraiment très très tard. Hein. On y joue vers... 23h minuit, du coup, à ce moment-là, je live pas, tu vois. Et du coup, ouais, c'est vraiment stylé. Je reprends goût à Ark, finalement. Bon, après, je suis nul à chien, comme d'habitude, mais je reprends un petit peu goût à Ark, et c'est vraiment sympa. Du coup, vous voulez qu'on fasse quoi, les frères? Est-ce que vous voulez qu'on aille un peu sur le jeu où on doit grimper? Peut-être une petite game de Buckshot Roulette? Ou alors, on... Je sais pas, comme vous voulez. On va sur DBD, sur Fall Guys, si vous pouvez jouer, n'importe quoi, si vous voulez. Oui, pourquoi? Tu vas aller sur quoi, Eliana? Et Noémie aussi, si elle est encore là. Ouais, le jeu, en vrai, était vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé. Et en fait, c'est ça, c'est le parfait... L'histoire, du coup, c'est... Je pense que l'histoire, c'est... genre, il y avait quelqu'un dans la maison... La maison était déjà hantée par le mec avec le chapeau, qui devait sans doute être un réalisateur de films, parce qu'il aime bien faire les films. Donc je suppose que... comment? Qu'en gros, ça s'est passé de la manière suivante. Le gars est arrivé, il est rentré chez lui et tout ça. Donc le gars, la configuration familiale, c'est le petit Jacob, la fille qui est malade, malheureusement. Adolescente, en plus, je crois. Donc, fille malade, adolescente, qui s'appelle Alice. Ensuite, il y a le petit Jacob, qui doit certainement être le petit gosse qu'on voit depuis tout le long. La femme et le mec. Le mec rentre chez lui. Donc, sa fille est malade, donc c'est casse-couille. Et Jacob, il est tout petit, donc voilà. Et il voit sa femme, Ken, avec un autre gars, hein, concrètement, et elle le trompe. Il arrive, le mec avec le chapeau qui le hante, lui dit de prendre une hache et d'aller les buter. Donc, il arrive, tac, il bute tout le monde. Il y a un mec qui veut faire des investigations, qui regarde les cassettes du gars parce que le gars a tout filmé, parce que le mec qui lui a demandé de tuer tout le monde, il veut lui demander aussi de filmer. Donc il trouve les cassettes, il regarde, du coup il découvre l'histoire. Et à la fin, en fait, le gars l'a rendu fou à travers ses cassettes. Il l'a enfermé dans la maison, du coup il peut pas sortir. Et du coup, bah, à la fin, le journaliste qui voulait faire les investigations s'est tué lui-même. Et du coup, bah, c'est comme ça que ça s'est terminé. En vrai, c'était pas mal. Le fait d'avoir une histoire vraiment de tromperie, en plus, t'entends la meuf Ken à un moment, c'est un peu bizarre, mais ça change un peu, c'est bien, je trouve. Du coup, on fait quoi? Le gars qui grimpe ou Buckshot? En vrai, le gars qui grimpe, si on va dessus, ça va durer peut-être un peu longtemps. Mais en fait, Buckshot Roulette, j'ai pas trop envie de faire ça non plus trop souvent, tu vois, parce qu'après, ça va nous saouler un peu.
Je sais pas, comme vous voulez. En vrai, on peut essayer le gars qui grimpe, hein, vite fait. Hein. On fait un live jusque 22h, on fait 30 petites minutes, ça vous va ou pas? On fait 30 petites minutes sur le gars qui grimpe. Et puis voilà. Donc attends, je vais changer la catégorie. Tac, donc c'est difficult. Ah, ça ne marche pas. Ah oui, je suis en clavier anglais. A difficult game about climbing. On va mettre. On finit. Non, très clairement. Tac. Et on lance le jeu. Alors, il est où? Il est où, a difficult game about climbing? Il est là. Tac, tac. Hop, on lance. Et on affiche le jeu. Tac, son du jeu. On met bien a difficult game about climbing. Ok, donc on était bien retombé là, ça casse les couilles, mais c'est comme ça. Ok, donc on est de retour ici. Alors là, il faut faire le rotation expulsion. Ok, donc là, il faut que je reprenne la main. Il faut que je reprenne la main. L'attaque, rotation expulsion. Rotation expulsion. Ok, ensuite, là... On peut directement faire une rotation expulsion pour aller à la prise jaune, je pense. Rotation, attends. Rotation expulsion. Ah non, on peut pas. Mais du coup, tac, on va à la prise bleue. Pourquoi je peux pas y aller? Ok, c'est bon. Là. Hop. Là. Hop. Là. Hop. Et du coup, là, il faut s'accrocher à la prise bleue comme ceci. Pas vraiment comme cela, mais en gros, c'est l'idée. C'est l'idée. Tac, rotation, expulsion. J'ai foiré. Tac, rotation, expulsion. Rotation, expulsion. Du coup, là, il faut aller ici. Là, on peut pas faire juste une rotation, expulsion à la prise rouge. Rotation, expulsion. Attends, déjà, je pense que c'est la mauvaise main, là. Tac, rotation, expulsion. Ok, on peut. C'est bon à savoir, ça. Ça nous fait gagner quelques secondes. Hop, là... On chope la prise bleue comme ceci. La rotation expulsion. La rotation expulsion. Même pas besoin de rotation expulsion, tu vois. Du coup, ensuite, là, il faut se balancer. Balançage ultra. Pour atteindre la branche juste là. On l'a déjà fait, hein, ça. Hop. Encore. On l'a. Suite à cela, hop. Là, on monte ici. On monte là. On monte à la brancha. À la branchi, à la brancha. Je crois qu'il faut aller à droite en fait. Faut pas du tout aller là où je suis. Oh non, ça c'est le moment chiant avec la roue. C'est un truc de vitesse. Si je me souviens bien. Si je me souviens de ce que Randy avait dit. Là c'est juste question de rapidité apparemment. Il faut stabiliser. Ouais, c'est trop dur, attends. Trop chaud! Comment j'avais fait avant? Attends, je vais mettre ma main au milieu. C'est trop chaud! Ah, si, si, c'est bon, c'est bon. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Là, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud, hein? Oh, on va galérer à cet endroit, je sens. Ah, il veut vraiment pas, hein? D'accord, donc là, la roue n'a pas tourné! Pourquoi pas? Alors, tac. Là, on chope la boule. Que j'arrive pas à choper. Là, on chope 7 bubbles. Que j'arrive pas non plus à avoir. Ok. Est-ce que je peux faire directement une rotation-expulsion? Je pense que je peux regarder rotation-expulsion. Voilà, je le fais mal. Ou alors, attends, on peut pas se balancer comme ça, genre. Choper la boule rouge directement. Je pense qu'on peut regarder. Rotation, expulsion. Je pense qu'on peut regarder. On peut pas, on peut clairement pas. Hein. On va se balancer pour choper ça directement. Et là, on peut. Ok, du coup. Ensuite, c'est là qu'il faut aller, il me semble. Je me souviens plus du tout. Ok, je crois que c'est là. Hein. Ouais, c'est ici. Là, le fameux câble. Putain, je suis rapide, là.
Tac, là il faut vraiment pas se rater du coup, hein, parce que là, t'as accroché littéralement à un pixel. Oh non, là c'est la barre rouge il me semble. Oh ça va être chiant. Oh oui, c'est la barre rouge. Oh le passage pète couille. C'est vraiment le pire passage du jeu ça. Wesh, pourquoi il veut pas s'accrocher? Il veut pas s'accrocher, ce fils de chien. Hein. Comment je fais là? Je l'avais. Faut vraiment pas que je me rate là. Hein. Je l'avais, gros! Je mets la main dessus! Ok, c'est bon. Pourquoi il rebondit comme ça? Ok, donc là, il faut faire balancer la barre comme une merde. Hop, et là pendant que ça monte, on y va. Regardez, regardez. Rotation, rotation, expulsion. Non. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est, en fait ce passage est juste pète couille. Il est juste long en fait. Ce passage est juste long les gars, il est pas dur. Il est juste long. Je reprends les mots de Randy. Hein. Là en gros le but, Iliana, je t'explique si t'étais pas là, en gros c'est de faire balancer la barre rouge. Assez pour qu'on puisse atteindre si tu as vu l'encre. Ok. Encore, encore. On va faire encore un truc là de ce côté-ci. Encore un truc là. Et là, on va y aller, regarde, comme ça. Yes! Yes, on l'a eu rapidement. Wouh! Ok. Tac. 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 Et là, normalement, on peut y aller. Ouh. Yes! Yes! On est revenu en 2 secondes! On est revenu là en combien? En 10 minutes! Putain! On est trop chaud! Dire qu'avant on avait mis tout un live pour arriver ici, on a mis 2 secondes, c'est fou. Donc là il faut faire très attention à ne pas tomber de l'autre côté. Donc là. Ok, petit saut. Ici. On doit faire la même. Ah, je l'avais. Ok, je l'ai. Là, tac, 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 tac. Ok, ok, on est efficace là, on est efficace les gars, on est efficace. Là, faut faire très attention à ne pas être une merde. On l'a. Hop. Ah là, je me souviens plus du tout c'est quoi la technique. Je me souviens plus du tout c'est quoi la technique. En gros, je vois c'est tac. Ok, non, je crois que c'est comme ça. C'est genre... C'est... Tac. Ah, putain, j'ai raté. Ah, putain. Je crois... Si je me souviens bien, la technique, c'est ça. C'est en gros, tu mets la main gauche, ensuite la main droite. Wesh, 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 calme-toi. J'arrive pas à monter, frère. Je suis plus la merde ou quoi? C'est ça, en fait, sur jeu... Oh, tombe pas là. Tombe pas là, mon pote. En fait, dans le jeu, c'est ça, j'ai une efficacité de 10 minutes, et après, je repue la merde, en fait.
Le passage avec les boîtes là, je trouve honnêtement pas très dur. Oh, je tiens à rien. Oh, je tenais à rien. Oh, la chance. Ok, donc là. Tac. Encore une fois, je tenais à un pixel, hein, mais c'est pas grave. Là, on a beaucoup de chance. Autant en profiter. Ok, je l'ai. J'arrive pas. Tombe pas. Oh, je pue la merde, qu'est-ce que je fais? Ok, donc là, tac. Et donc là, en gros, le délire, ça va être de se mettre ici, d'attraper ça. Ah, je l'ai pas eu, putain. Est-ce qu'on peut, genre... Ok, on peut se rattraper ici. Je sais pas si vous voyez trop ce que je veux faire, mais c'est très très chaud. Je l'ai, et là, ça! Ah putain, je l'ai pas! Bon bah du coup, là, on est obligé de... redescendre en bas. Ah putain! Ouais, parce qu'en gros, si on essaie de se rattraper à la poutre rouge, on tombe. Hein. J'ai déjà essayé, et je suis retombé à l'endroit où on a commencé le live, et ça me... pèterait les couilles d'y retourner une deuxième fois, je vous avouerai. Surtout que là, en vrai, on a réussi rapidement le passage de la poutre. Alors, j'ai vraiment pas envie de retomber, si vous voyez ce que je veux dire. Tac. Ok. En vrai, ça sent quand même, je prends du niveau sur jeu. Ah, ou j'en perds, hein, parce que... Ouais, j'en perds. Je pense que j'en perds. Putain, ça va être chiant. De quoi qu'il va être chiant? Pourquoi j'arrive pas à monter, là? Ok, c'est bon. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Je sais même pas si on est haut dans le jeu, là, en vrai. Et en fait, j'ai pas envie de regarder, tu vois. Parce que là, ça se trouve, on est à 30% du jeu, j'ai pété mon crâne. Moi, pour moi, là, on est à genre plus de la moitié, hein, tu vois. Le truc des sacs a l'air dur. Ouais, c'est... En fait, il faut avoir un timing parfait. Genre, t'as pas le droit à l'erreur. Ah, putain! J'ai pas le timing. J'avais le timing au début de live, mais là, je l'ai plus. Voilà. En fait, c'est ça. En fait, sur ce jeu, c'est tout le temps ça. C'est en gros, début de live, je suis chaud. Et après, bah, tu m'as perdu. Ouais, je fais gaffe, par contre. Ok, je l'ai. Ensuite, tac. Je l'ai. Iiii, mauvaise main. Voilà, c'est la bonne main. Ensuite, on s'accroche bien ici. Je l'ai. Ok, on est revenu au passage des sacs. Il est temps de réussir maintenant. Est-ce qu'on peut se mettre encore plus haut, vous pensez? Genre comme, genre là? Ouais, non, je pense que là, c'est le must. Oh! Oh! Ok, on peut s'accrocher là, donc on peut s'accrocher là, je pense. Oh là là, c'est très petit endroit où on peut s'accrocher. Là, si on tombe, on retombe tout en bas, les gars. Ok. Tac. 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 Ouh, j'ai pas envie de tomber. Enfin, là, si on tombe, on retombe. Ça va. Là, normalement, on est au-dessus de la piscine. Donc, normalement, on retombe pas si bas que ça, mais quand même. Ok. Je sais pas du tout si je suis haut. Hein.
La petite échelle. Oh, il y a vraiment un checkpoint, les gars, il y a vraiment un checkpoint. Là, on est au-dessus d'un checkpoint, je crois. Oh, on est au-dessus d'un checkpoint, let's go. Oula, qu'est-ce que je fais? On va continuer, on va continuer. Je suis pas fatigué. J'ai pas forcément envie d'arrêter. Alors, que faut-il faire, là? Là, il faut réussir ça, je pense. Ah, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Ça va. En vrai, si on retombe là, on a une grande zone. Ah ouais, on a une grande zone. Ok, ils sont sympas, les devs. Ok, les devs, ils sont sympas. On a une grande zone... On a une grande zone où on peut se rattraper. Ok, ok, ça c'est sympa. Merci les devs. Ok, ok. Donc là, on est ici. Alors donc là, je vais me mettre le plus près possible. Je peux pas le choper direct comme ça. Non, je pense qu'il faut vraiment s'élancer. Hein. Donc balançage. Ah ouais, c'est, je pense que c'est ça que Randy m'avait dit. Il m'avait dit, ouais, il va y avoir un passage où il va falloir faire full jump perfect. Et je pense que c'est maintenant. Putain, c'est chaud! Je sens que cet endroit, il va nous faire péter un câble. Je pense, en fait, on va s'arrêter, les gars. Hein, il est bientôt 22h. J'arrête à 22h, j'ai dit. Hein. Il est 21h50. Putain, j'ai toujours pas la technique pour faire les jumps parfaits. Hein. J'ai toujours pas. Hein. Qu'est-ce que je fais? Ou alors, on fait pas juste t'accrocher sur ce truc-là? Non. Je sais pas, je me suis dit par magie, tu vois. Putain, c'est chaud de faire ça, genre d'aller là. C'est chaud, frère. Alors, attends. C'est chaud. Oh, ce passage, il va me péter les couilles. Ah, oh, il va me péter les couilles, ce passage. Oui, le caillou, en fait, il bloque. Mais en fait, il faut faire un saut où en mode, tu te balances, je pense. Ah, oh, c'est trop chaud. C'est trop chaud. En fait, là, ce qui va me casser les couilles, c'est... Imagine, j'arrive à le passer. Je passe les autres trucs et après, je retombe. Je vais devoir repasser lui. Bon, moi, faut se dire que je pense qu'on est haut. En vrai, honnêtement, je pense que là, on est à la moitié ou plus. Hein. Si c'est pas le cas, je quitte le jeu. Hein. Ça, c'est dur, frère. En fait, je n'ai toujours pas la technique pour faire les jumps perfects, là. Randy m'avait dit, ouais, il va falloir que t'apprennes à les faire, parce que de toute façon, à un moment, genre, c'est obligatoire, tu vas devoir apprendre, parce que, bah, il y a un passage où, genre, t'es obligé. Je crois qu'il parlait de ce passage-là, en fait. Si je mets plus bas. Ah attends, je pense qu'il faut pas se mettre tout en haut en fait, attendez. Je pense genre, faut se mettre genre ici, tu vois. Bon, ça, ta tête, elle cogne pas. Ouais, c'est ça, je pense que c'est ça. Mon tapis de souris qui n'est pas assez grand. Je vais essayer d'augmenter le DPI, regardez. Hop, là j'ai augmenté le DPI, je me suis mis à 3200 de DPI, c'est énorme. C'est littéralement énorme. Hein. Hop. Donc là, j'ai pas assez appuyé sur espace. Les 3200 DPI, c'est vraiment énorme. Hein. J'ai plus aucune précision. Ah putain, c'est chaud! C'est chaud, ce moment-là, il va me péter les couilles, vraiment. En fait, ce qui va me péter les couilles, c'est imagine, on retombe et on doit repasser ça, genre. En fait, le passage de la... Ouais, je suis en train de tomber tellement j'ai des DPI, frère. Je l'avais, mais c'est juste que j'ai pas le timing, en fait. Voilà, ok, je fais de la merde. Puis le perso, il se dandine en plus, alors... Ok, là, je suis trop haut, tu vois. Là, je me cogne. C'est pas le principe. Là, je pense que je suis bien. J'ai pas le timing! Ça me saoule de pas avoir le timing alors que je suis à ce stade du jeu, genre... Normalement, les gens, là, à ce stade du jeu, ils savent faire les jumps perfects comme personne. Mais moi, en fait, vu que là, j'ai passé tout le jeu en full chat et que j'ai aucune technique, eh ben, je bloque, tu vois. Attends, je vais essayer des pays, en fait. Je pense que c'est un handicap plus qu'autre chose.
Ok, donc là, je sais pas pourquoi il est tombé, j'avais la souris maintenue, hein, mais pourquoi pas, après tout. C'est pas la première fois qu'il me fait ça, ce fils de chien. Pourquoi il a pas de grip comme ça? Genre, pourquoi il glisse, là? Toujours pas la technique. Attends, je vais m'entraîner. Tu sais quoi? Je vais m'entraîner, genre, sur cette surface-là, en essayant de pas avoir le caillou, mais juste en essayant de faire un jump perfect, tu vois. Toujours pas. Toujours pas. J'arrive pas, j'ai vraiment pas la tech, hein. C'est horrible, hein. J'ai pas la technique, je n'ai pas le timing. Genre je n'arrive pas, genre je sais très bien ce qu'il faut faire avec son corps, avec la barre espace, je sais très bien quand il faut appuyer. Mais malgré ça, là j'ai un peu réussi tu vois, mais c'était pas encore assez. Là les gars je m'entraîne, hein. J'essaie pas d'avoir le caillou, juste je m'entraîne. Là je pense que je l'avais tu vois. Je l'ai clairement pas. Y a pas un autre passage, je pense pas, hein. Je pense que ça c'est obligatoire. Hein. Si j'ai bien fait tout le long de l'eau, y en avait vraiment pas d'autre. Hein. Non, là je l'ai mal fait. On va se rentraîner encore un peu. Là je pense que j'y suis en vrai, genre, je pense que j'y étais. Faut vraiment que je m'entraîne en fait au stade où... C'est censé y arriver du coup, à tous les coups en fait. On va essayer. Ah, on y était presque, hein, il manquait rien. C'est vraiment chaud, hein, j'en ai marre. Il reste 4 minutes de live, encore heureux. Parce que putain. Oh, on casse les couilles. Oh non, mes frères. Vraiment, je... Les gens qui one-shot ce passage, c'est vraiment... Respect à vous. Hein. Là, je suis clairement trop bas, mais... Mais en fait, regarde aussi, c'est ça qui me casse les couilles. C'est que regarde, je me balance... Et ce fils de pute, il perd de la hauteur, regarde, il perd du grip en fait. Et du coup, je dois me balancer, en fait, je dois faire pas plus de 2 balancements. Je pense que je dois faire pas plus de 2 balancements en fait. Je fais trop de balancements, je pense. 1. Et 2. J'ai pas le timing en fait, j'ai pas le timing. 1. Et 2. Je vais rester là pendant toute la suite du jeu, en fait. En fait, là, je sais très bien que genre, le prochain live, je vais y arriver une fois, et après, je vais retomber. Ok, donc là, tu vois, j'ai fait 3 fois, et 3 fois, il commence à perdre du grip. Donc, c'est que 2 fois, en fait. J'ai pas le timing. Je n'ai pas le putain de timing, en fait. Attends, il faut que j'apprenne à bouger ma souris sans avoir le clic dessus, en fait, aussi. Genre. En fait, le truc qu'il faut que je fasse, c'est... Attends, je vais m'entraîner ici, gars. Déjà, je suis trop haut. En fait, il faut que je m'entraîne à avoir le timing, tu vois. Attends, tac, là je suis trop haut. Gars, voilà, il faut que je fasse ça en fait. Là, je le fais mal, mais. Là, j'ai même pas appuyé sur espace. Ça fait quoi si j'appuie sur espace en même temps? Et en fait, quand j'appuie sur l'espace, j'ai l'impression qu'il gagne pas plus de hauteur que quand j'appuie pas dessus, en fait. Ça me casse les couilles.
Ok, on va faire un truc. Je vais désinstaller le jeu. Tac. Hop. Voilà. Je vide la corbeille, hein, carrément. Ok. Je ne retoucherai plus jamais à ce jeu de merde. Hein. C'est quand même fou de... Là, alors là, attendez, faut que je vous explique, parce que là, vous êtes en mode, putain, il est trop con, il a lâché la mauvaise main. J'ai absolument maintenu mon clic, je suis pas débile, c'est juste le perso, des fois, il lâche, et je vous jure, vous allez pas me croire, mais... Vous allez dire, ouais, il fait ça pour trouver une excuse, je vous jure que non. Parfois, le perso, il lâche tout seul. Je sais pas si c'est parce que j'ai un crack ou un truc comme ça, mais je vous jure que parfois, le perso lâche sa main tout seul. Genre, je suis pas débile. Genre, j'aurais pas lâché le clic volontairement comme ça. Je suis pas un autiste. Je suis nul à chier au jeu, on peut le dire, mais je suis pas un autiste à ce point. Là, frère, c'est... Genre, en fait, j'ai pas envie de rejouer au jeu, en fait. J'ai pas envie de repasser tout ce passage-là. Je me suis dit, quand je suis tombé, je me suis dit, si je ratterris, genre, avant la barre rouge, ça va. Là, je vois, je commence à tomber à la fenêtre, à l'église. Je commence à... Ça me casse les couilles, je suis au pire... En fait, là, je suis au pire endroit. Là, en fait, je suis à... J'étais à... Je sais pas, j'étais à combien de pourcents du jeu, là. On va dire, j'étais à, genre, peut-être à 50%. Je suis revenu à 15%, vraiment. Ça me casse les couilles. Donc, je relancerai plus jamais le jeu de merde. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Je mettrai peut-être un seul goal, à la limite, mais il va falloir donner de l'argent pour que je fasse ce jeu de merde. Je ne toucherai plus jamais à ce jeu de merde, hein. Très, très clairement. Voili, voilou. Et du coup, bah voilà, c'est la fin du live. On finit, on a fait un bon jeu d'horreur en vrai au début. On a fait 24 avril qui était vraiment pas mal. Et à la fin, on aura été sur un jeu de salope qui te fait des clics tout seul, voilà. En fait, tu vois, ce qui m'énerve, c'est que c'est même pas ma faute en fait. C'est la faute du clic ou je sais pas, c'est parce que j'ai le jeu en crack et je l'ai pas acheté. Du coup, le crack a des défaillances, mais ça me casse les couilles. Du coup, les gars, on se retrouve peut-être demain, je sais pas. Peut-être si je suis pas encore en dépression. Et non, je regarderai pas les clips en vrai, j'ai pas envie de me voir tomber parce que le jeu a fait son truc, je regarderai pas. Désolé Yana, tu regarderas de ton côté si tu veux, et moi j'ai pas forcément envie d'y réagir. Voilà, du coup les gars, on se retrouve peut-être demain, peut-être pas, au pire vous restez connectés, au pire si vous êtes sur Discord, je vous le dis. Du coup voilà, je vous dis peut-être à demain, non pas peut-être à deux pieds, voilà, ça me casse les couilles, au revoir. Ouais. Ok. Ouais, t'inquiète, je sais ce que je fais, gros, t'inquiète. Ok. T'es posé sur le live à Noé.